Elle n'a plus qu'elle désormais. Jade des Joailles, ses filles, les filles de Johnny. Laetitia Hallyday va se concentrer sur son rôle de mère, avec un seul but, être digne, et donner à ses enfants tout ce dont elles ont besoin pour faire face à la vie, mais aussi à la mort de leur père. Après la mort de Johnny Hallyday, Laetitia est partie à Saint-Barth avec leur fille Jade des Joailles, pour l'enterrement du roi. Restées toutes les trois, mais bien entourées, sur l'île qui servira de dernière demeure à l'école des jeunes. Scolarisées pendant seulement quelques jours, décembre dans la petite île des Antilles françaises, les filles ont eu droit à quelques vacances avant le retour à la vie. À point, Laetitia s'est promis de les protéger, de les aider à devenir des femmes le plus sereinement possible. C'est sa mission pour les années à venir. Alors elle leur parle de tout, d'une voix douce. Elle les accompagne dans leur deuil, les épaulant, les entourant d'amour et de tendresse. Je veux être une maman digne, avoue-t-elle à ses intimes. À l'orange, elles retourneront habiter dans leur village pacifique Palisade. Là-bas, plein des doigts, elles retrouveront leur lycée. Leurs amis et amies, leurs amis. Elles seront en sécurité dans cette ville qui a été faite pareil pour les célébrités en quête d'anonymat. C'est en tout cas ce que pense et espère Laetitia Hallyday. Préserver ses filles. Leur offrir l'enfance la plus normale possible, malgré le décès de leur père et l'impact qu'il a eu.